Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaoh avec Aliat. On reprend notre aventure. J'ai écouté un petit peu vos conseils. Vous m'aviez proposé de faire une paix avec Ramsès en échange de thunes. Ce qui n'a pas marché, parce qu'il est en Adesh, mais j'ai pu faire une paix en échange de pierres, et après j'ai fait un accord commercial avec un autre, en filant la pierre pour de la thune. Du coup maintenant on ramasse 61 de diplomatie, j'ai fait du coup 2-3 autres échanges commerciaux comme ça. Il y a moyen de faire pareil avec Pyramsès, mais j'aimerais bien me débarrasser de sa dernière ville avant. On verra ensuite si cette petite armée-là survit pour faire une paix avec celui-là. Et du coup, ça nous a permis de donner un petit peu de souffle hein, dans nos ressources. Donc, normalement, on avait quasiment terminé tout ce qu'on avait besoin pour le tour. Ici, avec Gaelden, j'ai été prié un petit peu pour pouvoir profiter des bonus. Il faut absolument que je profite plus des bonus des villages, j'oublie pas que c'est des avant-postes et qu'on peut, peut interagir avec pour avoir des bonus du même style que les avant-postes des autres factions. Parce que ça manque vraiment. Rien que si on avait le moins 15% d'entretien pendant 5 tours tout le temps, ça ferait carrément plaisir quoi. Donc il faut que j'y pense. Et on va passer le tour en essayant de garder ça en tête. Alors. Donc là ils ont repris les villes. Ce qui va permettre de régénérer un petit peu le butin de guerre. Mais on a tous les avant-postes, donc globalement leurs villes vont être assez compliquées à tenir. Ça peut mettre un peu de chaos et les affaiblir, c'est pas plus mal. Bon là il est retourné dans la ville sans grande surprise. Donc tant pis, on ira l'écraser avec les autres. Et donc lui, notre nouvel adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se replie. On est en train de menacer sa... Alors je sais plus si c'est sa capitale vu qu'il l'a reprise après, mais... Sa grande ville, on va dire. Bonne idée, là. Faut aller reprendre ça, là. C'est une bonne idée. Commencer à régénérer un peu de bois, ça me ferait plaisir. Donc là, pour l'instant, qu'on a vu, hein, on peut pas prendre des points de victoire. Enfin, on en perd à chaque fois qu'il... Ah merde. Ils ont été détruits, Ramsès. Leur petite armée traînait dans le coin, là. Du coup, on a perdu notre avancée, ce qu'ils nous donnaient en pierre. Bah, tant pis, c'est pas grave. Au moins, ils nous feront plus chier. Donc, comme je disais, on perd des points quand ils reprennent des villes. Mais l'objectif, là, ça va vraiment être de faire un tampon ici. Et après, avec Aliat, de nettoyer ça. Alors, ça va faire un sacré territoire à couvrir. Il faudra peut-être une nouvelle armée, mais on ira nettoyer là de... L'autre côté de la rivière, là. Enfin, c'est pas le Nil, non, le Nil est là. Ça doit être un aperçu de la mer au sud, là, ouais. De la mer Noire. Non, c'est pas la mer Noire, elle est haute. Je me souviens plus, mais bref. C'est pas très grave. Ça veut dire qu'ils peuvent peut-être pas traverser. Donc si on rase tout ça, ça devrait être plus difficile pour eux à reprendre. En plus, il y a des trucs assez intéressants, là. De la pierre, des auxiliaires. Donc on ira s'occuper de ça. Après on remontera là et l'objectif ça va être d'essayer de progresser en rasant peut-être plutôt par là du coup. En mettant les barrières naturelles entre nous pour que les factions aient pas trop envie d'aller les reprendre. Parce que là on voit bien hein, tout ce qu'on fait en rasant c'est que les trucs, les factions grossissent en reprenant les villes qu'on a rasées quoi. Logique hein, ils sont pas connes hein. On ferait pareil mais du coup ça nous bloque un peu. Allez déjà on va raser ça, voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'aller raser ça? Attends, stop. Parce qu'en fait, tu traverses. Ouais, parce que j'aurais pu investir ça en fait. Non, vas-y, pas investir ça. On va quand même poser nos avant-postes partout, hein. C'est pas trop un problème. Hop, on rase. Et prochain tour, on va un petit peu le taquiner. Donc c'est normalement c'est une cité avec des murs, ouais. Donc il va nous falloir quelques tours. Si on voulait faire ça, il nous faudrait ouais de l'or, toujours de l'or. Ça va être l'or qui va nous bloquer. Mais on va y travailler. Toi, par contre, clairement. Alors l'autre s'est replié par là, mais il va lui falloir quand même un petit peu de temps. Ah et en plus, ah je pensais que c'était une colonie fortifiée, mais même pas en fait. Excellent. Et bah écoute Gaelden. Mais donc défaissé. Ouh la petite esquive de lance là, à genoux.
C'était beau. Très très beau mouvement de Gaelden là. Excellent. 50 d'or, très bien. Ça, ça fait plaisir. Et bien sûr, on rase. Hein. Donc on peut pas raser, exterminer, mais c'est pas grave. On refait notre stock d'éminence. Et on a réussi. Ah, excellent. On se fait 200 d'or du coup. Et 2 points de victoire bonus. On peut aussi gagner en faisant ces trucs là. Franchement, c'est l'ordre du possible. Hein. C'était un titre pour récupérer le mouvement. Ouais, c'est ça, c'est un titre. Il fallait qu'on aille chercher ce truc-là. Récupérer le mouvement une fois qu'on a rasé. Ok, alors qu'est-ce qu'on a eu? On a réussi notre ambition, on a eu du butin de guerre, donc des guerriers autochtones. Et Gaelden, tu gagnes des lanières renforcées. Qu'est-ce que c'est donc ceci? Munitions plus 2 dans l'armée. Oh bah excellent. Excellent, les... Les Akatsuki vont se faire plaisir avec. Donc on a rasé une ville. Rien de très très surprenant. Ici il y a un truc. Il y a une colonie. Ah oui, elle est tout là-bas. Ouais. On n'a pas notre petit... notre petit village. On va y aller. On va y aller tout à l'heure. Enfin au prochain tour. Les troupes qu'on a trouvées du coup... Ouais, ok, on se rajoute des unités comme ça, on a 4 chars potentiellement. Des frondeurs de renom, pas mal. Les guerriers en armure, ça c'est ceux qu'on a eu avec le... En les piquant à Ramsès. 4 chars cananés en armure, 4 chars de basse Égypte, c'est pas mal. Hein. Si on veut... Ah, ça doit être ceux-là, non, ça doit être ceux-là les unités autochtones qu'on a eu. Ok. Des archers, des frondeurs, des unités, des javeliniers... On a de quoi recruter si on le souhaite. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Enfin, si, on a besoin, on a toujours besoin, mais... eux, ils veulent un pack de non-agression et on leur donne de la pierre. Alors, attends. Pourquoi je te donnerais de la pierre? Parce que tu te considères plus fort que moi? Bah non, non, non. 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 Pour la peine de non. Non, non, ça ira. Ils sont bien en train de se poser, là. On va les laisser consommer des ressources, galérer à essayer de maintenir l'ordre public. Et on ira leur raser la mouille plus tard. De toute façon, ils sont dans le delta aussi, donc... Ils sont en train de se préparer à aller chercher la ruine. Alors, Shishem, c'est eux, ok. Me dis pas qu'il va déjà reprendre la ruine, là. Putain, ils sont aux abois, les mecs, hein. Ah non, il va peut-être... il a peut-être des trucs ici, il va chercher les... C'est peut-être lui aussi, là. Ah non, c'est... Berbécha qui est là. Ah, intéressant, il a poussé jusqu'ici, j'avais pas vu. J'avais pas vu que je le coupais en deux, en fait. Ok, pourquoi pas. Ah, on est trop loin pour aller chercher ça, sérieux. Bon, bah tant pis. On ne va pas y aller. Si on veut traverser ici, en dehors du désert, c'est genre jusque là. Si on fait un raid... Raid, c'est 50% du mouvement. Waouh. 46 ici, 55 ici. Est-ce que ça nous immunise à l'usure? Tac tac tac, immunisé contre l'usure de faillite, mais pas contre l'usure de désert. Ouais. Pas cool ça. Et ce petit oasis là, non, ça marche pas. Si on veut aller là-bas. Le plus court chemin, c'est par ici. Donc notre adversaire va vouloir passer par là s'il veut reprendre sa ville. Pour peu que ce soit pas lui qui aille. Alors, lui, il est en train de venir, là. Clairement, il est en train de venir. Alors, on a aussi la possibilité d'aller s'occuper de ça. Et si ça ressemble à quoi? Grosse garnison, quand même. La rébellion va pas péter tout de suite. Elle va pas tout de suite arriver à prendre la cité.
Sachant qu'il y a toujours une armée de 20. Alors on a une armée de 15 beaucoup plus expérimentée que la sienne. Mais il a quand même une belle armée. Si on se met en embuscade, c'est 25%. Life is too peaceful for my tastes. En tout cas, c'est du désert. Si on va jusqu'ici, il faut marcher à fond. Non, pour l'instant, Galden est trop lent pour faire des trucs un peu tricky dans le désert, là. Donc on va se poser là. Ok, on a quand même déjà bien souffert. Là, il a une armée de 6. Il se ramène avec son armée de 20, on risque de devoir se replier. On va voir... On va voir ce que ça donne. J'avais fait aucun avant-poste dans cette... Ah oui, j'avais pas encore les avant-postes quand j'avais dû raser ça. Et ben on va corriger ça. Ici du coup, pourquoi je peux... Ah, il a reconstruit un truc l'enfoiré. Oh sérieux, il me fait perdre un tour. Putain. Il a construit un truc et il l'a payé pour que ce soit construit en un tour, du coup je suis coincé. Quoi. C'est abusé. Je sais pas si j'avais assez de mouvement pour le prendre, j'aurais dû le prendre. Ça aurait été beaucoup plus rentable, je pense. Il y a pas beaucoup d'avant-postes hein, dans leur province, mine de rien. C'est de la petite province. Hein. Bon, bah, Aliat est coincé comme un con. Donc ça, c'est fait. Ah, on a nos munitions pour toutes nos unités et les dégâts de projectiles perforants. Enfin, pour ceux qui sont rang 9, donc c'est pas tout de suite... On a des accords d'échange qui ont expiré, voyons ça. Toi, est-ce que t'accepterais de le refaire? Peut-être même de nous donner un peu plus. 40. Ou 50. 51. 60 peut-être. 65, excellent, 65. La pierre, le bois, on peut en avoir assez facilement. Ah, ça c'est très bon là, on est bien là. Là, on est très bien là. Alors, il nous aime pas, il est pas très fort, mais visiblement il a de la mine d'or le mec. Et l'accord avec Chardan, c'était on importe du bronze en échange de ça. Ouais, pourquoi pas. Si on en rajoute un peu, non. Lui, on va garder ça, c'est très bien. Je peux tenter d'enlever un peu de bois, non. C'est parti, on part là-dessus. Ok, cette faction est de type nomade. Ah, franchement, là, c'était le bon choix de construire ce bâtiment-là, juste ici, de le payer. Ça lui gagne un tour. Alors, il a peur de recruter ou d'en faire quoi que ce soit, mais... Si, il a pu monter niveau 4 sa ville. Ça nous fera plus de butins. Et s'il peut monter son poste de garde, ça va devenir compliqué de le faire tomber. Hein. Non, franchement, très beau mouvement de l'IA, là, j'avoue. Ça se prend carrément... Il nous fait perdre du temps, et le temps, c'est des ressources qui s'en vont. Alors, est-ce que Bécham, il nous tombe dessus? Lui, il va prendre cette ville, du coup. Et voilà, lui, il nous prend de dos, là. Il nous attaque, il est à portée de renfort. Il est à portée de renfort. Ok, alors voyons voir, qu'est-ce qu'il a? De la milice, quelques archers, des recrues, de la milice, beaucoup de milice, pas mal d'archers. Donc en gros, on va devoir faire une ligne de front et se débarrasser de leurs archers avec nos unités qui courent. On n'a pas tant, surtout nos chars, mais si on se replie... Alors après on a aussi la possibilité, on peut leur dégager un peu le moral. Le combat singulier c'est un peu tôt. Est-ce qu'on peut prendre des unités? Donc on a combien d'éminence? 41. Si on veut faire ça, ça coûte 25. Ouais, donc il nous reste pas grand chose. Après ces unités doivent pas être très chères. Enlever quelques archers par exemple. Ces unités, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde, quoi. Ouais. Non. On va juste taper sur leur morale.
pour aider un petit peu. Et après, on va la faire. Ça va être le premier gros test de Gaelden. Gaelden, le folklorique pieux. Le bien connu. Alors, les renforts viennent dans notre dos. Ça, c'est plutôt RP. On pourrait s'occuper des renforts directement, hein, se placer pour les raser très vite et neutraliser leurs archers. Mettons les frondeurs là. On met la ligne de front, moins quelques unités, tout ici. Non. De là à là. Hop, voilà, un peu plus lourd quand même que juste ça. Ici, on se prépare à les harceler direct. Et du coup, toi et le char, vous occupez du reste. Surtout des archers, ouais, quoique, alors attention, parce que du coup, lui, il avait un archer, deux archers, quelques unités. On va se mettre par là, mais ça sera nos réserves, ça, selon comment ça se passe. C'est parti. Allez, feu. Feu. On va balancer nos petits javelots en plus sur la charge là. Là ils sont en train d'essayer de nous contourner. C'est pas cool. Ah, c'est la petite armée en fait, ça. C'est la grosse qui nous attaque? Bah non. Où est la... C'est la grosse qui était en renfort. Bizarre. Ok, bon du coup on va aller se débarrasser assez rapidement de ça. Non, vous allez vous occuper de ça. Les hacheurs, allez vous occuper d'eux. Là du coup on a quoi? Deux archers... La milice et le général. Si, bah ouais, la grosse armée est là, mais peut-être que du coup elle ne vient pas en renfort tout de suite parce qu'on est trop près ou un truc du style. Hop, ça c'est en déroute. Replacez-vous. Vous demi-tour. Ça va aller. Vous demi-tour. Ok, là c'est en déroute. En arrière. Là on envoie sur le général, mais il devrait craquer avant même qu'on arrive. On a arrêté de lui tirer dessus, donc son moral remonte un peu. On est proche du bord, donc on n'élimine pas les troupes, hein, c'est pas grave. Ok, vous replacez-vous. On va juste laisser les hacheurs qui sont frais s'en occuper. Non, alors attendez, vous et vous, là, toi, tu vas te mettre un peu en arrière. Les chars, ils vont aller par là. Ah, les renforts sont apparus de l'autre côté, là, d'accord, ok, alors attendez. Il faut qu'on se replace. Donc on va avoir effectivement une grosse ligne de front à tenir. En avant, courez un peu. Vous, vous êtes déjà retourné, vous allez vous placer par là en courant. Vous courez par là, le général. On va le mettre par là. D'ailleurs, en vrai, vous, j'aimerais bien que vous fassiez un gros bloc avec eux, là. Parce qu'ici, ils vont arriver bien en tas. Toi, il va falloir que tu reviennes plutôt par ici. Mes hacheurs, pareil, revenez par là. Les chars,
Ils sont en train de se replacer. Excellent. Allez, go. Oui, en fait, ils sont sortis des deux côtés du piton rocheux, quoi. Comme on les a repoussés là, je suis plutôt pas trop inquiet. En plus, ils ont déjà perdu un général, même s'il est pas marqué comme mort, il est plus sur le champ de bataille. Allez, tirez. Commencez donc à nous les amollir un petit peu, comme on dit. D'ailleurs, le général Gaelden, tu vas plutôt aller par là, parce que c'est peut-être ici qu'on va avoir besoin de morale. Là, eux, ils vont prendre un gros pack sur la tronche. Ici, on va pouvoir commencer à courir un peu pour aller s'occuper rapidement de leurs tireurs. Voilà, là, les gars, le danger, c'est les archers. Tirer leur dessus en Mars. Allez, on est un petit peu au contact ici. Ok, il est en train de nous envoyer des gens. On va les contourner. Allez, là l'objectif c'est qu'il nous rattrape pas si possible. C'est un peu juste. Ils sont en train de se mettre en position, tenir la position, mais nous c'est ceux qui sont derrière qu'on veut. Là c'est la course. Sur ce flanc, ça se passe comment? Il y a déjà de la bonne déroute, on dirait. On s'est pas mal... On a une bonne ligne là. Bon là, sans surprise, il y a un gros pack. Les archers sont en train de se faire laminer, ce qui est très bien. On va devoir aller peut-être envoyer un peu plus de monde là-bas. Là, il n'y a pas besoin de 10 000 troupes pour s'occuper de ça. On va en mettre 2, ça suffira bien. On va essayer même de se rabattre direct dans leur dos là. Ici, est-ce que je les enverrai pas ailleurs? Parce que visiblement, ils galèrent à courir après ça. Les chars vont esquiver, donc ils vont courir après eux. Là, on les chope. À 2. Ici, les frondeurs font bien le taf. Ok, tous les archers sont en déroute, c'est excellent. Est-ce que vous êtes à portée des frondeurs? Allez, commencez à allumer un petit peu par là. Ici, au niveau vitesse, on est combien, là? 37 de vitesse, 35 de vitesse, 34 de vitesse. Donc on devrait un petit peu, petit à petit, lâcher cela et les rattraper, mais effectivement, ça va être long. Et là, on est à 33 de vitesse, et eux ont 35. Ok, donc on la rattrapera jamais. On va aller plutôt se rabattre dans le dos des gens ici. Ici, on a les petits chars, là, qui sont un peu fatigués. Ah. Ouais, en plus... Ah, ils ont un petit boost de vitesse parce qu'ils sont autosuffisants, excellent. Oh, la pluie de cailloux là des Akatsuki qui fait carrément le boulot. Ici on a rattrapé tout le monde, on s'est pris du coup une charge de dos, ce qui peut être problématique. Mais je pense que le moral va tomber. Nous-mêmes on est en train de souffrir là. Le général est tombé ici, excellent. Allez go, on va commencer à courir un peu. Faire un petit peu de dégâts à tout ça. Laissez-les pas s'enfuir si facilement. Les Akatsuki, on va vous passer en mode mêlée. Go, 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 go. La bataille est gagnée là-bas, il a cédé ou pas? Ouais, il a cédé, parfait. Ok, donc allez-y, courez-leur après. Du coup les chars, on va continuer de les faire un petit peu titiller tout ça. Le général il est mort, c'est pas la peine de s'embêter.
Malheureusement, nos unités sont un peu fatiguées, je pense. Mais on va voir si on arrive à faire du dégât. Je vous ai demandé de courir, vous. Vous êtes des mecs légers, vous pouvez courir. Toi, tu peux pas, par contre. Eux, ils s'enfuient. Nos autres, ils sont où? Ils sont là, en train de les harceler, toujours. Parfait, on a quand même mis l'unité à moitié de force. Ici, on les piétine petit à petit avec nos bœufs. Eux, ils veulent pas courir, hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, à la rigueur, toi, t'es en mode moral, donc calme-toi un peu, mais... Enfin, on utilise nos dernières munitions, on leur fait mal. Là, on va essayer de se rabattre par ici. Eux, ils ont fini. Ouais, pas grand-chose que vous puissiez faire. Allez, on les prend de flanc, on en élimine quelques-uns, c'est toujours ça. Ok, c'est la fin. Victoire de justesse, oui, bah, vu l'équilibre, on s'en sort pas mal, je trouve. Hein. Leurs archers, notamment, que je craignais un peu, ont pas été ultra efficaces. La milice à la hache, hein, face au bouclier, a quand même fait le taf. Ah oui, je me disais, il leur reste autant, mais... Oui, si, il leur reste quand même encore pas mal de monde. Hein. On a éliminé ce général-là. Lui, il a fui avant qu'on le tue. Et globalement, il lui reste quand même encore des unités assez pleines. Mais il est en plein désert. Et je pense qu'on va prendre le petit bonus 6 de reconstitution. Alors, est-ce qu'il décide de réattaquer? Normalement, il peut pas. Hein. Ouais, il s'est replié. Très bon choix. Alors c'est clair que si les autres envahisseurs faisaient un peu le taf, on galérerait un peu moins. Faut dire ce qui est. Yamad est en pleine croissance. Ok, c'est très loin. Un instrument de tatouage. Ok. Ah, ils sont quand même considérés comme morts. Ah, son armée entière a été rasée, peut-être. On a eu des niveaux. Excellent. Et là, on a terminé. Alors, on va s'occuper du niveau de Gaelden. Parce que du coup, il va prendre ça. On va lui enlever ce truc. Et on va prendre ça, qui est quand même hyper fort. Et du coup, c'est quoi le machin qu'on a eu? Instrument de tatouage. À tout accorder la force dans le nombre pour les unités à lance. Augmente le moral à proximité d'autres unités dans les mêmes atouts. Ouais bah, on a zéro lance, donc pour le moment, c'est pas utile. Par contre, tu peux aller raser des trucs et du coup les reprendre dans la foulée. On va essayer d'y penser cette fois. This is messy work. On rase. On reprend. On attaque lui. Ah oui, du coup là, il y a la ville qui est un peu plus en état. Peut-être devoir se reposer un peu quand même là. Hein. De l'épéiste vétéran. Oui, l'épéiste vétéran. Des vrais archers. Plus sa petite armée. Ouais non, on va se détendre quand même. Pas faire n'importe quoi. Là s'il m'attaque, il n'y aura pas la ville. Donc on va rester ici. On va se mettre un peu en mode campement avec Gaelden là. Il faut qu'on travaille un peu quand même nos trucs. Alors le recrutement pour l'instant, ça va être Aliette qui va s'en occuper plutôt. Donc nous on va travailler plutôt sur les trucs, voilà. Un peu d'entretien en moins. Ce sera parfait. Un petit peu de bonus de combat. Voilà, excellent. On a cramé un peu de travailleurs. On va pipou faire le taf.
On a bien les provisions et la prière. Les provisions, en fait, apparaissent pas à côté de notre personnage, là. Ok, donc Gaelden, il est pas mal pour ce tour. Maintenant, toi. Tu nous rases ce con, là. Voilà, merci. 4%, allez, ça sera toujours 4%. On est plein comme ça, on rase. Cette fois, on le reprend direct. Pas déconner. Et après, on va aller faire un petit bisou à celui-là. Ouh, ils sont costauds. Ouais, du coup, il a eu bien le temps de se renforcer, quoi. Il a eu bien le temps de se renforcer. Comme c'est des Égyptiens, ils ont beaucoup d'archers. On va viser la tour de siège. Et deux béliers. On va voir s'ils décident de sortir nous attaquer. On peut pas recruter. Hein, si, je pourrais recruter dans ce pool-là, cela dit. Est-ce que c'est intéressant? Là, on a que du tireur, que du tireur. Un petit mercenaire à pyro de plus. Ouais, j'aime bien l'idée. Ça nous fera des mecs pour prendre les murs. Un mec de plus pour prendre les murs. Alors par contre, on n'a pas nos bonus de recrutement quand on recrute là-dedans, c'est un peu dommage, mais... Déjà que c'est instantané, on va pas non plus trop cracher dessus. Et là, ah oui, il faut qu'on passe au niveau 5 pour pouvoir faire ça. Et lui aussi, il avait un petit niveau, notre ami, là. On peut prendre un autre titre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le pisteur, non. L'attaque de flanc améliorée, le moins 10% de recrutement, qui peut être vraiment pas mal pour lui. Morale, défense en mêlée, attaque en mêlée pour toute l'unité, mais que quand on est en campement. Ok, pas forcément utile du coup. Moins 10 pour les unités sédentaires, non, c'est pas notre trip. Déplacement en mer, entretien, moins 10 pour les unités de la ronde, ça c'est pas mal aussi, hein. Surtout qu'il va falloir qu'on trace en mer pour aller chercher notre Gaelden préféré. Et là, mettre des forêts, mettre des mers et des sables. L'endurance de cette unité est moins affectée par les actions épuisantes telles que le combat. Alors ça peut être hyper hyper fort. En plus on a un gros bonus de déplacement, 15% contre 20% là, mais 15% partout. En mer et sur terre, la nourriture plus 20% est pas mal, mais dans les zones où on est quoi. C'est un bonus qui servira quand il servira. Ouais, ça c'est pas mal en vrai. Et du coup, si on pouvait aller chercher 13-13 ici, donc on n'aura pas 13, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça c'est 10, 11, 12, donc 13 il est là. Niveau 13, c'est ça. On aurait quoi? Entretien moins 15 et char avancé pour les chars. Ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est 13 là, donc on n'aura pas, et 9 ici, c'est pas tout de suite. Et là, on peut faire en sorte que les gardes du corps fassent flipper les gens, et ici... Les batailles nocturnes. Et un gros bonus de charge, en plus de... Vitesse plus 10% pour l'armée, ouais, c'est pas mal ça. On va booster par ici. Et du coup, on va prendre la forte endurance, je pense. Mettre des mers et des sables, c'est pas mal. Hein. Yep, c'est très très bien ça. Our time comes. Et on verra s'il essaye de nous contre-attaquer du coup, de sortir. Une armure lourde ordinaire, on a gagné. Parce qu'on a envie de mettre quelqu'un en armure We lourde. Shall not be stopped. L'armure moyenne est quand même pas mal. Hein. Ça d'ailleurs j'ai même pas regardé, c'était considéré comme quoi comme armure? C'est moyen hein. Ça reste moyen ouais. Là on passe en lourd. Perd en vitesse et en défense, bon par contre niveau armure c'est la fête quoi. Mais j'aime bien là, je les aime bien en moyen les généraux, ils tracent parce que nos unités sont globalement toutes moyennes pour le moment en tout cas. Voire légères, du coup si nos généraux sont trop à l'arrière c'est chiant. Donc là on fait une petite pause. On recrute pas, on a dit, hein, ici. On peut recruter que de la merde, ou alors on peut recruter du comme ça, mais globalement c'est du tireur.
Après, normal, hein, on se débarrasse, on prend les tireurs chez nos ennemis, donc bah du coup... forcément, on récupère des tireurs après. Le bronze, ça commence à tomber quand même, hein. Ça commence à bien tomber. Et lui... Ah, il a perdu son armée de 20, hein. Il a perdu son armée de 20, quoi. Et en paix, tu nous proposes quoi? Pas grand-chose. Ok. Bon, bah du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.